Attendez, on va parler bien. Vous savez, Fatou le dit qu'elle ne va jamais pardonner. Fatou le dit qu'elle ne va jamais pardonner à les Guinéens. Ça dit, elle rêve d'abord, quoi. Elle pense que c'est toujours Alpha Condé, staff d'Alpha Condé qui est toujours au pouvoir comme ça, là. Ça dit, elle rêve. Quand elle dort comme ça, là, elle rêve. Même un chien plus intelligent que Fatou Nyolo. Elle pense que d'abord, on dit quel dossier? Dossier de Fatou Nyolo, on va parler un peu et puis se moquer de lui. Sinon, moi, avant, j'avais eu pitié de lui. Voilà. J'avais eu pitié de lui. Avant, j'avais eu pitié de Fatou Nyolo. On priait pour lui, même pour que ils n'ont qu'à libérer son frère là. Mais à cause de sa gueule là, sa sale gueule là. À cause de sa sale gueule là. Hein, elle pense qu'elle est impolie. Elle n'est pas impolie, hein. Elle est juste, comment on dit ça, bah? Je sais pas. Elle n'est pas impolie, hein. Elle est juste sauvage. Sauvage. Je sais pas, bon, je don't know. Elle est comme ça. Mais elle pense que comme elle se couche ses rêves-là, elle pense que c'est toujours les, comment on dit, bah, les clans, comment on dit, bah, comment on dit, bah, comment on l'appelle, Bantamaseau qui sont au pouvoir là-bas, parce que c'est eux qui te protégeaient, toi et ton frère, Bantamaseau, avec les, comment on l'appelle le messie là? Oui, avec la femme des Alpha Condé et tout, ils sont plus au pouvoir, hein. Si tu rêves là, détrompe-toi. Ils sont plus haut, c'est-à-dire, ils ont même pas le cœur d'aller parler là-bas, à Zandamérie. Ils ont plus au pouvoir, donc détrompe-toi. Et puis, arrête de mélanger les malinké et les peuls. Je te comprends pas. Ton tout dernier vidéo que tu avais fait là, tu parles des mots qui te condamnent même. Parce que tes vidéos que tu fais là, quand tu finis là, faut reprendre. Faut reprendre. C'est ça que ma soeur qui est à Belgique là, elle t'avait parlé, est-ce que tu as entendu ces mots? Bien sûr, mais est-ce que tu avais entendu ce qu'elle t'a dit? Elle était dans RPZ, non? Ma soeur qui est en Belgique là, ma soeur forestière là, ma grande soeur, Kliba là, elle était dans RPZ, non? Mais elle est très très intelligente. Je te le dis, ça, toi tu n'es pas intelligente, hein? Même un chien là est plus intelligent que toi. Wallahi. Voilà. Tu penses que d'abord, c'est des tontons Kassouri avec les trucs Baidi, avec les trucs qui. Les cadres que tu partais te donner à eux, là. Tu penses que c'est eux qui sont au pouvoir d'abord. Toi, Fatou Nyelou, c'est toi qui condamnes ton frère. Ta bouche, là. C'est ta bouche, là, qui fait ton frère est toujours là-bas en prison. Ta gueule, là. Ta sale gueule, là. Parce que tu penses que tu es intelligent alors que tu es chevreuil. Comment on dit ça même bas? Chevreuil ou bien sauvage. Tu es sauvage. Tu penses que tu es intelligent ou bien impoli alors que tu es sauvage. Tu n'es pas intelligent. Tu n'es rien. Tu avais commencé à parler de n'importe quoi pour diviser. Oui, pour diviser pour que les malinqués et les peuls. Ta gueule est très petite dans ça. Enlève ta gueule entre eux. Il y a tes frères. Il y a tes frères malinké, tes frères peuls qui ont épousé les femmes malinké. Il y a des femmes peuls qui ont épousé les malinké. C'est pas ta gueule là qui va les séparer. Non. Tu es très petite dans ça. Tu es très très petite dans ça. Quand tu t'assois dans ta voiture là, rencontrant des bobards, en disant, tu vois tes propos, je vais te parler un peu de tes propos que tu parles dans tes vidéos là. En disant, mettez le cœur, je sais pas qui est en train de mettre des têtes molles là. Mon grand, je vais te bloquer tout à l'heure. Toi qui mets des têtes molles là, je vais te bloquer tout à l'heure. Voilà. Voilà. Tes propos là, quand tu finis de faire tes directs là, il faut très bien écouter ce que tu as dit. Je ne sais pas si tu te drogues ou bien tu te saoules avant de parler, ils don't know.
Tes vidéos, tes anciennes vidéos là, j'ai un ici, tu dis, ah, nos parents peuvent sont jaloux de les malinquer parce que nous on supporte les malinquer. Tu es malade? Tu es malade? C'est toi seul qui supporte les malinquer? Il y a nos parents forestiers dedans là-bas. Nous-mêmes, on les critique matin, midi, soir ici. Non, on n'est pas haineux envers nos parents là, hein? Parce qu'ils sont dans, ils étaient dans RPZ et puis on les critiquait bien sûr. On les parlait et puis voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on manquait de respect à notre communauté. Nous, on est très intelligents. Très, très intelligents. C'est toi qui n'es pas intelligent. Tu veux t'attaquer à ces loups, faut t'attaquer à ces loups. Mais ne mélange pas toute ta communauté dedans. Hein? Parce que moi, je supporte, la famille mieux le supporte, les malinqués. Tu es malade? Tu penses que Alpha Condé et ses gouvernements là, tu penses que ce sont les malinqués qui sont dedans sur moi? Il y avait les soussous, non? Les Baïdi? Les tontons Kassouri là? Ce sont pas des soussous, ça. Donc, eux tous sont des malinqués. Ça dit, c'est tes propos là. Quand tu fais des vidéos là, tu parles pao, 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 pao. Après, les gendarmes là vont voir, les commissaires là vont voir ça. Il dit, ah, donc lui, il pense qu'il a gueule. La fille là, c'est un satanique ça. Son frère va rester ici d'abord. Tant que tu enlèves pas les pains, tu te couches comme ça là. Hein? Tu pardonnes. Ton frère là ne sort pas là-bas. Ils vont le supporter matin, midi, soir. Il va mourir là-bas dans la prison. Tu crois pas? Ils vont le supporter. Tu n'as rien vu d'abord. Ça dit tes pleurs de crocodile que tu fais là. Tu te forces même à pleurer. Pour faire peur à qui? Il n'y a plus Alpha au pouvoir. Personne n'est pas de toi. C'est Doumbouya qui fait. Quand Doumbouya fait comme ça, crie. Nous tous on a peur parce que c'est lui qui nous commande. C'est lui qui nous commande. Celui qui est notre petit Dieu. Celui qui nous commande. Après Doumbouya là, toi, tu n'es rien devant nous là. Si tu veux là, faut crier hein, jusqu'à demain matin. On s'en fout de ça. Voilà, on s'en fout, on te regarde même pas. Faut augmenter le problème de ton frère. Augmente. Tu vas parler. Parce que ce que tu dis là, tu ne parles pas d'abord, tu vas parler. Ce qui est au fond de ton cœur là, tu vas tout dire. Aujourd'hui, dans tes vidéos, tu dis, parce que c'est les peuples. Toi, tout ton problème là, c'est ta communauté, quoi. Tu es un vrai bâtard. Depuis longtemps, on a compris. Toutes les Guinéens ont compris ça. Il n'y a aucun Guinéen qui va garder la haine de sa communauté. On n'a jamais vu ça. En Guinée, là-bas, on n'a jamais vu ça. Au contraire, chaque personne aime sa communauté. Mais toi là, tu n'aimes pas ta communauté. Tu es un vrai bâtard. Un vrai bâtard. Donc tu n'as pas la bénédiction de ta communauté d'abord. Et tous ton maudit. Tu es maudit. Toi et ta petite sale famille là. Eh, je vais pleurer, je vais dégazer les malinqués, levez-vous. Mais c'est malinqué qui est au pouvoir là-bas. Tu penses que quand tu cries là, j'ai dit, il n'y a personne qui peut venir maintenant t'aider. Personne. Parce que le Babaké est en prison, en garde-boue, à Fakonde. Et donc, tout c'est entourage là, qui va parler? Toi-même, tu es pingin comme ça. Même chien est mieux que toi là-bas qu'on a crié. C'est toi qui va crier. Qui va t'écouter? Qui va t'écouter? Si tu veux là, faut dire à les malinqués, on vous... Tu vois, je t'ai dit non. Il y a une de mes vidéos là, j'avais dit, j'ai dit la chienne là, un jour elle va venir s'asseoir ici, rencontrer des bobards sur les malinqués. Ça viendra. Elle va parler. Elle va parler. Tu vas parler, parce que tu vas parler, après tu vas dire, ah, les malinqués, moi, la famille Nulle vous ont sauvé ici, vous ont fait ça. Oui, tu vas parler. Parce qu'on connaît, tu faisais ça. Oui, oui, pour mettre les deux communautés en palabre, quoi. On te connaît, ma chérie.
Tu es une chétana pour la Guinée. Toi. Tu es une chétana. Ne presse pas. Prison que tu es en train d'appeler là. Je vais faire prison. Je vais faire prison. Ne t'inquiète même pas. Prison là va venir. Tu vas aller en prison là-bas. Tu vas aller en prison là-bas. Là où ton frère est là, ils vont t'envoyer. Là où toi, ton frère, ils vont t'envoyer. Tu crois pas? Non. Je vais aller en prison. On veut d'abord tu parles. Les mannequins sont assis d'abord, tu regardes. Ils veulent que tu parles. Ce qui sort dans ta gueule là, c'est ça qu'ils sont en train d'enregistrer. Parce que tu vas rester à parler là, parler de conneries. En disant les malinqués, donc nous on vous avait supporté, maintenant vous ne nous supportez pas. Les mots là, ça va sortir dans ta gueule. C'est là-bas que tu vas voir les visages de les malinqués. Ils vont te dire, ah bon, donc tu nous supportais à cause de quoi? Va t'enculer. Tu penses qu'ils t'aiment? Ils t'aiment pas. Ils t'aiment pas parce qu'ils savent bien que tu les aimes pas naturellement. Hein? C'était pour venir te venger sur ta communauté. Tu étais venu pour te venger pour ta communauté. Qui ne connaît pas ça, Fatunyele? Qui ne connaît pas ça? Toi, tu étais venu pour te venger à ta communauté. T'as un des Alpha Condé là. Maintenant, Alpha Condé n'est plus. Faut gérer avec le nouveau gouverneur là, gouvernement là. Le nouveau gouvernement là, faut gérer avec eux. Parce qu'eux-mêmes là, ne rigolent pas, go. Ils ne rigolent pas, go. Tu t'arrêtes là. Tu t'arrêtes devant eux et on te descend. Nous, c'est notre Dieu, ça. Nous, oui, oui, oui. Doumbouya, il est notre Dieu. Lui et ses clans, là, on les adore trop. On les adore trop. Mm-hmm. T'as compris? Même s'il nous dit, passez par là, là, nous, on va passer là-bas. Rentrez ici, nous, on va rentrer là-bas. Une chienne comme toi, là. Une chienne, pardon. Parce que tu n'as rien à foutre. Si sur moi, rencontrer des bobards. C'est toi. Ta gueule là qui te met dans problème. C'est ta gueule là qui fait que ton frère, on ne peut pas la lâcher. On ne peut pas le laisser sortir. C'est ta gueule là. Tant que tu ne viens pas pardonner. Tant que ce n'est pas seulement ta communauté, hein, viens te flanquer, pardonner à tout le monde. Viens. Viens t'asseoir. Nous, on sait très bien. Tu n'aimes pas les malinqués. Tu faisais semblant pour te venger à tes parents Peul. Tu veux que je vais te rappeler un petit peu? Hmm? C'est pas un malinqué qui est quitté là-bas. Damaro qui est quitté aux États-Unis. Allez là-bas. Derrière toi. Toi, tu l'as laissé à cause de ton frère Peul. Tu veux qu'on rentre dedans là-bas? Oui. Après, ce que tu l'as fait, tu es sorti ici, tu as vomi tout ça. Tu veux qu'on rentre dans tout? Donc, ferme ta gueule. Nous, on veut te voir seulement. Tu parles. Hein? Ça sort. Nous, on écoute. Et puis, tes paroles, là, on te juge dans ça. Tes paroles, là, on va te juger dans ça. Manika, là, du manian, mais Manika, quel est boni? Il est le Manika, quel est du mantre? Aboni aux États-Unis, à Warai, non, fait. Ika, me comme, bekagne. Il n'a pas fait beaucoup, nous, si yanka, benya, fo. Tu es une fille satanique. Manika, si tu fais, aucun mannequin ne veut de toi. Tu penses qu'ils sont bêtes? Tu penses qu'ils sont fous? Ils sont pas bêtes. Ils sont très intelligents. Il est mousseau satané. Tu n'as rien dit d'abord. Faut crier jusqu'à hein, et puis tu parles pour qu'on juge. Ce qui sort dans ta gueule là, c'est ça. On va te juger dans ça. Hey, je vais aller en prison. Je vais aller en prison. Je vais aller en prison. Faut pas te presser. Tu vas aller là-bas. Et bah tu es là manamana ola. Il a manamana oyoto ola. Haye dumbuya. Yo kuma kile mpo dumbuya nyelondo. Kuma judo. Idalo, Sunguruba Mousso. Hmm? Sunguruba Mousso. Jusqu'à quand ton mari t'a léché. Ikebara Bailo, il a Sunguruba Yala. Il te fousse la bouton. Kadru Bebara Bay, Gi Kassala, il a Kusikono. Donc, fousse-t-il un sentiment si t'il a.
Abrato Kasoma, il dit Ikoro, tu vas rejoindre ton frère là-bas. Toi, Fatimiole, tu vas rejoindre ton frère là-bas. Tu vas rejoindre ton frère là-bas. On dit, appelle-moi. Tu vas rejoindre ton frère là-bas. Inch'Allah, t'inquiète pas. Tu penses que tu vas mélanger les Guinéens? Mon frère, ton message là est vite parti. Tu peux écrire, je vais voir aussi. Tu vas rejoindre. Tu as resté dans Nyama Nyama là jusqu'à ton mari t'a laissé. Tu as deux enfants. Donc, quand un autre homme va venir là, c'est pour te baiser aussi, te laisser. Il ne va jamais t'épouser. Les Malinké ne veulent pas une femme pareille comme toi. Ils sont civilisés, réveillés. Ils ne veulent pas. Toi, femme qui viens, tu fais semblant que tu aimes. Tu n'aimes pas là. Tu fais semblant. On te connaît, toi. C'est toi. Tu n'as jamais aimé naturellement. Là où tu vois Fatou Nyeule là, faut dire qu'il y a un petit intérêt là-bas. On te connaît. Non, en fait, moi, je vais juste intervenir un peu, quoi, avec la situation. Oui, vas-y, on t'écoute, tu peux parler, il n'y a pas de problème. Ok. En fait, moi, la dame, là, moi, je suis peu. Oui. Tout ce qu'elle est en train de faire, là, c'est semblant. Elle n'a rien vu d'abord. Elle n'a rien vu d'abord. C'est dans la situation, le premier parti, Dieu va te donner un petit pouvoir. Tu vas parler tout, n'importe quoi, sur les gens. Oui. Et toutes les personnes qui sont impliquées en prison, elle, avec son frère, il fait partir, indexer les gens. Alors qu'elle n'oublie pas aussi, elle n'oublie pas ce qu'elle a parlé avant et maintenant. Fond 2. C'est pas la même chose. C'est fond 2. C'est pourquoi j'ai dit elle est bête. Voilà. Fond 2 et M. Doumbouya, c'est pas la même nom. C'est pas la même nom et c'est pas la même mentalité. Voilà. Mais elle respecte même pas ses parents. Hein. Elle ne respecte même pas sa famille. Elle a oublié. Elle a des enfants aussi qui doivent grandir, regarder cette vidéo-là après. Walaye. Elle a tout oublié. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire, elle? S'il veut, elle n'a qu'à pleurer jusqu'à ses couturiers. Elle n'a qu'à pleurer jusqu'à demain matin. Tu comprends? Elle, s'il ne fait pas attention, si elle n'est pas fait attention, je jure devant Dieu. Elle ne va pas en prison, mais elle va rester dans la rue. Elle va rester dans la rue. Ça a commencé déjà parce que ces paroles-là, ça dit, quand elle parle là, elle-même, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Il y a des mots qui sont dans sa gueule là. Ouais. Ça le condamne elle-même. C'est ça. Tu as vu la bouche là? Il faut maîtriser de parler. Il faut réfléchir. Mais voilà. Elle est pensée qu'elle est, parce qu'elle est belle, elle est charmante. Ça c'est, elle est belle. On s'en fout de ça. Non, elle est belle. Elle est belle à faire du gouvernement d'Alpha Condé. Là, je suis d'accord. Oui. Parce qu'elle fait tout n'importe quoi avec eux. Tu comprends? Alors là, Doumbouya, elle a sa femme, elle a ses enfants et toutes les personnes qui dirigent le pays maintenant, ils sont, c'est une famille, c'est des responsables. Sont des responsables. Ils sont venus qui nous réunit ensemble, ni Malinké, ni Soussou, ni Bercé, ni Peul, ni Thomas. On est tous de la même famille. On est des Guinéens. On est fiers d'être Guinéens. Même en Europe, on est fiers d'être Guinéens. On est fiers d'être Noirs. Surtout, c'est l'union qui fait la force. Voilà, vraiment. C'est pas à choix. Une femme mariée, lorsqu'elle était là, elle n'avait pas divorcé d'abord. La fille a fait vidéo ici. Une femme mariée qui dit que c'est lui d'aller m'a baisé. Là, il a. Ça, c'est des mensonges. Disais eux. Oui, j'ai vu cette vidéo-là. J'ai dit que la fille, elle n'est pas folle. Moi, que c'est lui d'aller m'a baisé. Qu'un homme, qu'il soit appel quoi, un homme qui le voit déshabillé là, si la personne ne se lève pas là, la personne n'est pas garçon. Que
C'est-à-dire, ces propos-là, c'est grave. Ça, c'est des bordels, ça. Ça, c'est... La fille, là. Ça, c'est les femmes. C'est les femmes qui sont jamais été avoir une bonne éducation le moment où leur papa est vie. Wallah. Tout ce qu'il est en train de parler direct de Seydou Dallan, c'est la mensonge. C'est la mensonge. Il est en train de monter. Elle a oublié, attends, elle a oublié que Seydou Dallan est sans fille de lui, il s'en fout de lui. Et sans fille d'elle. Seydou Dallan est marié combien de femmes? Oui, oui, c'est ça. Seydou Dallan a deux femmes. Non, deux femmes, il a des enfants. Seydou Dallan, elle est intellectuelle. Leur papa, c'est un griot. Avant, les papas de Nielo et Fatnielo, ce sont des griots avant de Seydou Dallan. Si elle a oublié ça, c'est tout ce que Seydou Dallan a fait pour son papa. Il entend de retomber de mensonges sur Seydou Dallan. Elle va voir. Elle n'a pas vu ça d'abord. Attends d'abord. Hé, hey, Seydou, c'est un homme patient, c'est un homme sage. Il a jamais manqué de respect dans le gouvernement d'Alpha Condé. Il n'a jamais manqué de respect le temps de Conté. Il n'a jamais manqué de respect le temps de Dadis. Peut-être raison de petite fille comme ça, là, qui est bordel comme ça dans la rue, là, qui est en train de monter le n'importe quoi. Pardon, les abonnés sont là. Ils vont se passer. Non, tu sais, moi, elle, moi, je ne connais pas son numéro. Si je connais son numéro, je vais parler en poulard même. Je vais lui parler mal. Je vais lui parler mal. Parce que tout ce qu'ils sont. Non, laissez Dieu va faire son travail. Laissez Dieu va faire son travail. La fille, là on le verra très bien. Elle va devenir folle. Elle est devenue folle même. Elle est devenue folle. Elle n'a pas d'esprit. Elle est en États-Unis. Elle a un États-Unis. Elle a eu ses papiers. Mm-hmm. Elle a eu son green card. Elle est revenue tellement qu'elle n'est pas bénie. Elle est revenue en Guinée encore. Elle fait n'importe vidéo encore. Et penser que c'est Alpha Condé toujours dirige le pays, il va rester comme Alpha Condé. Tant qu'Alpha Condé est dans l'autre côté, lui aussi va rester. Il va pleurer chaque année, chaque jour, chaque heure. Elle va pleurer. Tout ce que Nielo est en train de subir en prison, c'est grâce à sa soeur. Fatou Nielo qui a poussé. Oui, vraiment, c'est grâce à sa soeur. Celle qui l'a poussé, tout. Celle qui a poussé. Sinon, Nielo. Même si tu dis, Nielo, insulte le gars là. Je jure devant Dieu. Il n'ose pas le faire. Il n'ose personne, Wallah. Il n'ose pas. C'est Fatou Nielo qui est en train de pousser le petit là. Maintenant là, ça retombe sur lui. Hé, hey, dans la vie, il faut avoir des bons cœurs. Mais il faut avoir les bonnes paroles. Il faut avoir de bons visages envers les personnes. La fin du monde, c'est pas ici. C'est pas aujourd'hui, c'est pas demain. Mais tout ce que tu vas faire, il faut avoir une bonne acte envers eux. Le moment de compter, nous tous, on est là-bas. Nous tous, on est en Guinée. Si c'est pour l'affaire de faire parler n'importe quoi, on parle n'importe quoi. Mais est-ce que lui, il a attrapé quelqu'un? Non. Il n'a pas attrapé quelqu'un parce qu'il sait que les populations sont des alphabètes. Tu comprends? Mais lui, Fatou Nielo, elle pensait que quand même, Alpha Condé, c'est un intellectuel. Moi, je n'ai pas condamné Alpha. Hein. C'est pas Alpha qui fait. C'est l'entourage d'Alpha Condé qui donne l'occasion de Fatou Nielo d'aller parler n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Ouais. Tu comprends, non? Même si tu demandes Alpha Condé. Est-ce qu'Alpha Condé connaît Fatou Nielo? Il va dire non, moi je ne connais même pas Fatou. Tout ce qu'il est en train de parler, j'ai déjà vu Alpha Condé, j'ai déjà vu Kassori. Elle ment. Elle chasse l'argent parce qu'elle n'a rien à manger. Rien à manger. Rien. Voilà. Nous le pays, on dit, c'est à l'Alabama, et à ce moment-là, qu'on l'est ton con. Non, tout le monde. Ça veut dire que... Oui, en fait, ça veut dire que si tu as un bel visage, ce qui est en bas, ce n'est pas pour toi seul. Si tu ne fais pas attention, et tu risques d'avoir de n'importe personne. En fait, encore le malinqué, moi, je conseille les personnes qui sont dans leur pays. Moi, je ne suis pas contre leur pays. Chacun a sa politique.
de faire. Mm-hmm. On est tous des Guinéens. Mm-hmm. Moi, je conseille les gens là, ne laissez mm-hmm. pas la petite, la vilaine fille là, mm-hmm. il va nous manipuler des RPG. Mm-hmm. On va rentrer dans la haine entre nous. Je ne veux pas ça. C'est ça seulement que... Non, ne dis même pas ça, les Malinkia, les RPG là. Ils sont très intelligents. Ils savent que la fille là, c'est une pétasse. Oui, oui. Il est venu. Et sait très bien que la fille là est venue dans leur clan juste pour se venger à sa communauté. Et sait très bien. Ah, ouais. Et sait très très bien. Ils sont intelligents. Hein? Ils sont très intelligents. J'ai déjà abonné. Ils savent très bien que Fatou Niele ne les plaît pas naturellement au fond de leur cœur. Ils savent bien que Fatou Niele est venu juste se venger. De sa communauté, quoi. Ah ouais, ça c'est vrai. Voilà. Ah, et non. Vous voyez, tu vois tellement qu'eux-mêmes là ne regardent pas. Dans ces vidéos, ils pleurent le nom de Malinké. Hein, si vous ne me aidez pas là, vous voyez mes parents pleurent là, c'était à cause de vous. Ça dit, les mots vont sortir. Écoutez seulement, on n'a qu'à attendre, les mots vont sortir. Il va faire vomir ces mots là. C'est là-bas aussi, les Malinké, il va faire énerver les Malinké. Eux aussi vont dire que, ah bon, donc toi, tu étais derrière nous juste pour ton intérêt, juste pour se venger à ta communauté. Il faut regarder. Non, elle n'est pas peule. Hein. Elle n'est pas peule. Elle a bien dit, elle est mauritanienne. Elle est d'origine mauritanienne. Elle n'est pas peule. Non, elle n'est pas peule. En vrai dire, si elle est vraie peule, il connaît la Guinée, c'est la famille. Mm-hmm. Je n'ai jamais sorti dans les réseaux sociaux d'insulter une autre communauté. On est. Hein? Nous, on sait que ce qui s'est passé, le moment de 98. Mm-hmm. 98, le temps de Condé, mm-hmm. le temps d'Alpha Condé, le temps de Mamadou, le temps de Sirajo, le temps de Jean-Marie Doré. On connaît. La Guinée, mm-hmm. c'est une famille. Mm-hmm. La Guinée, c'est une famille. Voilà. Mais pour le moment, là, il y a des gens qui parlent, mm-hmm. disent que mm-hmm. Moi, je suis Malinké. Arrêtons de dire ça. Arrêtons. Si on veut que la Guinée avance, soyons mm-hmm. unis. Mm-hmm. Ni la Guinée, ni en Europe, ni en Amérique. Mm-hmm. Moi, là, j'ai envie d'épouser une femme Malinké. Mm-hmm. J'ai envie d'épouser une femme Malinké. Mais le Malinké aussi, j'ai envie d'épouser une femme peule. Le femme, mm-hmm. L'homme peule, j'ai envie de marier une femme, une soussou. C'est la mm-hmm. même chose. Avant, c'était comme chose. Ça. Mais maintenant, non. À mm-hmm. cause de quoi? À cause de la politique. Hey, la politique qui divise les gens. C'est la mensonge. Mm-hmm. Moi, je suis peule. Hein. Tout ce qui c'est lui en train de parler. Et tout, à la fois qu'on est en train de parler, tous les candidats qui sont en train de parler, on va l'écouter. Mm-hmm. Mais on ne prend pas ça au sérieux. Si on veut, oui, vraiment. Si on a envie d'avancer, on mm-hmm. l'écoute. Chacun est libre de faire. Tu vas aller voter. Mm-hmm. Si tu veux, tu vas voter pour Selou Dalé. Si les projets de Selou Dalé, ça te plaît beaucoup, tu vas aller mettre les cartes. Ce n'est pas la haine. On est tous voilà. des Guinéens. Mais une petite fille comme ça qui vient d'aîner même pas 40 ans, est en train d'embrouiller tout le monde. Voilà. Et il faut dire en train de s'embrouiller. Pas tout le monde. Nous, on s'assoit, on les regarde, on se moque d'elle. Moi, j'ai constaté quelque chose. Parce qu'il n'y a pas des gens mm-hmm. en Guinée. Il n'y a pas de si c'est temps de compter comme ça, là, il faisait les choses pareilles. Là. Je jure devant Dieu. Il y a des femmes qui vont les bastonner très bien. Mm-hmm. Il y a des femmes qui vont les bastonner. Mais là, il n'y a pas, une femme battante comme ça. Et laisse tomber. Doumbouya ne parle pas. Doumbouya, lui, il le regarde sur moi. Le jour que les gens auront après, ils vont mettre la fille là-dedans. Personne n'ose en disant, approche-toi, on va travailler ensemble. Là, c'est une escrotte. C'est une haineuse. Les jours là, je vais faire des carême 2 jours. Comme j'ai fait le carême à son frère aussi. J'ai déjà zéné 2 jours. Mais là, si elle part, je vais faire 3 jours en zène de mois de Ramadan.
Je suis devant Dieu. Parce qu'elle, hey, je ne l'aime pas bien. Je ne l'aime pas. Son comportement, son physique, son moral, elle n'a pas l'avenir. Elle n'a pas l'avenir devant elle. Moi, je perds une seule chose. C'est leurs enfants. Et leurs enfants, là, même là. Ça va quand même chaque matin, si je prie pour les enfants.